Et yo tout le monde, ça semble vrai, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de Construisons notre temple Jedi en français, ou Building Our Jedi Tower en anglais, parce que nous sommes trop anglais cette fois-ci dans cet épisode. Bref, je vais arrêter de mettre des coups de pied dans la caméra, et aujourd'hui nous allons continuer donc notre mock. Alors je vais vous montrer juste les quelques petites retouches que j'ai effectuées, c'est-à-dire que j'ai rajouté voilà quelques petits cailloux de ça et là sur le mock, et puis j'ai un peu rangé derrière parce que vous étiez rendu compte que c'était le bordel à l'intérieur, qu'il y avait plein de trucs. Donc voilà, j'ai classé là-bas, il y a plus le coin extérieur, et ici le coin purement brique. Et comme vous avez pu le voir, j'ai sorti un nouveau tiroir avec ces playlists. Alors peut-être que ça vous donne une idée du thème de l'épisode d'aujourd'hui. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo. Donc nous allons aménager le rez-de-chaussée. Nous allons nous occuper de la décoration de ce rez-de-chaussée. Alors pour l'instant, je ne vous en dis pas plus. Néanmoins, je voulais apporter une petite précision. En fait, j'ai légèrement modifié mon plan. Donc au rez-de-chaussée, vous allez voir ce qu'on va faire. Au premier étage, il y aura directement le hangar. Au deuxième étage, nous aurons la salle de vie et d'entraînement des jeunes Jedi, enfin des Padawan, des apprentis, des novices, tout ça, tout ça. Et enfin, donc au troisième et dernier étage, nous aurons le conseil. Donc voilà, c'est cette petite précision que je voulais apporter aujourd'hui. Donc au rez-de-chaussée, qu'est-ce que nous allons trouver? Je vous le dis maintenant. Donc nous allons trouver une bibliothèque, nous allons trouver une sorte d'accueil entre guillemets, nous allons trouver plein de pièces de service, nous allons trouver une sorte de petite salle de contrôle en fait qui sera dans un coin. Donc voilà, nous allons trouver vraiment un grand nombre de choses. Donc je pense que ça va être plutôt cool à designer. On va faire ça, donc cet épisode sera sûrement en deux parties. Enfin je dis ça, j'en sais rien, on verra la vitesse à laquelle j'avance sur la construction, parce qu'il va y avoir pas mal de salles donc à designer. Sachant que donc dans ce mock j'ai décidé enfin de faire un ascenseur de partout. Alors néanmoins ça va être compliqué parce qu'en fait il va falloir que je voie avec les étages. Donc l'ascenseur on le placera en dernier, quitte à ce qu'on bouge beaucoup de choses dans les mocks, dans les salles. Mais voilà, je tenais à vous le dire maintenant. Donc il y aura vraiment un ascenseur, puisque c'est aussi un défi, c'est un truc que je voulais faire, c'est un ascenseur de partout. Alors il n'y aura pas de fonction à cet ascenseur parce que j'y ai réfléchi, mais ça va être extrêmement compliqué, j'ai pas les pièces pour. Et c'est surtout que dans le design du mock, ça va être dur à faire. Donc voilà, mais je voulais vous dire donc qu'il y aura un ascenseur. Et puis je voulais vous préciser aussi autre chose, c'est que certaines pièces seront ouvertes à l'arrière, donc comme vous en avez eu l'habitude avec certains de mes mocks, ou pas. En fait, je ne sais pas encore, ça va être vraiment en fonction de comment ça rend avec un mur ou sans mur. Normalement, il ne devrait pas y en avoir. Le problème, c'est que pour filmer, c'est plus compliqué. Mais bon, on se débrouillera. Peut-être qu'il n'y aura pas de format vidéo. Il y aura juste un format photo pour la vidéo finale. Enfin bref, j'y réfléchirai une prochaine fois. Mais bon, partons pour l'instant sur le fait que tous les murs seront fermés. Et on verra s'il y aura des murs ouverts ou non. Bref, donc aujourd'hui, on va s'attaquer à cette salle. Qu'est-ce que j'ai pour designer cette salle? J'ai donc sorti là-bas toute plein de pièces, des 2x3, des 2x2, des 1x1, enfin des 1x2, des 1x3, des 1x1, les petites plates, donc comme ça. Donc voilà, il va y avoir vraiment tout un tas de pièces, plus quelques autres pièces qui sont rangées derrière moi, voilà, dans les boîtes, des trucs comme ça. Donc on va designer tout ça, le timelapse devrait être un peu plus long, cette vidéo devrait être un peu plus longue, en tout cas j'espère qu'elle va vous plaire. C'est parti, on va construire, on se retrouve tout à l'heure.
Et voilà, nous avons terminé de tout construire et voici ce que ça donne. Je trouve que ça rend plutôt pas mal. Alors j'ai fait quelques modifications, pardon, je cherche le terme, hors caméra, notamment l'ajout de la porte qui est ici, qui est coulissante, hein, bien évidemment, vous en avez l'habitude. Donc il suffit juste de la faire coulisser comme ceci. Elle est invisible et après, voilà, on la remet. Donc pas sûr pour la porte, on verra si on la change. Pour l'instant, elle est ici, elle est comme ça, elle est stable. Sinon, que vous dire d'autre ? J'ai modifié, je vais vous baisser un peu, voilà, je vais vous reculer. J'ai modifié aussi la disposition des écrans. Regardez tout à l'heure, les deux étaient centrés ici. Je les ai mis à des extrémités, ce qui fait que... est-ce que j'ai un personnage ? Oui, ici par exemple, un personnage au pif. Regardez, je peux le mettre comme ça et en tout cas c'est beaucoup plus crédible, on a vraiment l'impression qu'il travaille. Donc voilà, j'ai changé ça. Sinon j'ai rajouté quelques plantes. Enfin c'est très rapide, hop, voilà, je vais vous baisser. Voilà, donc j'ai terminé le parterre fleuri, je l'ai un tout petit peu modifié. Et puis bah donc voilà ce chemin que je trouve plutôt classe, qui relie un peu toutes les pièces. Donc moi en tout cas j'aime beaucoup. Ce que le mock rend pour l'instant, j'aime beaucoup, donc la salle des ordinateurs, voilà, voilà. Je trouve que là, elle est vraiment très très stylée. Cette salle, alors je reprends mon personnage, comme vous pouvez le voir, je vais l'asseoir. Et vous allez vous rendre compte que ben, il est pile à la bonne hauteur, donc là, je suis vraiment content. Donc vous voyez, c'est vraiment une salle super fermée, super sécurisée, il y a une porte en plasma ici. Ici, vous avez le chemin qui permet d'accéder à cette porte. Et donc en fait, ici, pour l'instant, il n'y a rien, tout simplement parce qu'ici, normalement, on devrait trouver l'ascenseur. Donc pour l'instant, rien de très sûr. Mais voilà, j'ai préféré laisser de l'espace ici parce que voilà, je pense qu'il y aura l'ascenseur. Donc on verra ce que l'on fera ici. Voilà, donc bah écoutez, pour ce rez-de-chaussée, c'est un peu tout. Vous vous demandez sûrement, voilà, je vais revenir à cette salle. Pourquoi les bibliothèques ressemblent à ça ? Bah, j'ai mis donc des vitres, donc quelque chose comme ceci. En fait, dans les bibliothèques, tout simplement... bah non, mais vous êtes là, voilà. Tout simplement parce que c'était pour faire un peu des livres tactiles, enfin, digital plutôt, un livre digital. Donc voilà, j'ai mis ça, je changerai peut-être, enfin, on verra. Pour l'instant, c'est comme ça, je trouve que ça rend pas trop mal. Donc vous avez ici toute la grande bibliothèque de notre temple Jedi. Donc voilà... Pour cette entrée, on s'attaquera dans le prochain épisode, normalement, à l'élaboration du deuxième étage, donc c'est-à-dire du hangar. Donc voilà le hangar qui sera vraiment juste au-dessus. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on recouvre toute cette surface, donc ce qui va être un travail assez titanesque. J'en profite juste pour vous montrer quelque chose. Voilà, il n'y a pas longtemps, je me suis acheté le Rebel Alliance Battle Pack, tout simplement parce qu'on trouvera sûrement de ces personnages-là dans le mock. Donc, je vais vous en montrer. Hein. Bah, vous les connaissez, vous avez sûrement vu les reviews. Et je vais les mêler. Alors, je sais que normalement, ils n'ont rien à faire ensemble. Mais je vais les mêler avec donc, ces personnages-là. Donc ça, ce sont ceux du Resistance Trooper Battle Pack. Et donc là, vous avez les rebelles. Donc voilà, je vais sûrement les mettre ensemble, puisqu'en fait, ce mock, donc je le ferai en une partie, donc à l'époque des clones, et une deuxième partie où j'apporterai des modifications sur le mock. Enfin, vous verrez, on fera ça à la fin, je vous en touche un mot ici. Mais on apportera des modifications sur le mock pour qu'il s'adapte à l'époque rebelle. Donc vous verrez, je pense que ça sera plutôt stylé. Donc voilà, il y aura ça, et puis bah, bien évidemment, il y aura des clones, hein. Les clones, je ne vous montre pas. Et j'en ai deux, trois ici. On trouvera surtout des personnages comme ceci. Des Senate Commando Troopers. Alors oui, normalement, ils sont au Sénat, mais on peut les mettre aussi dans un temple. Et puis, bah, des clones phase 1. Parce que j'ai ça en priorité. Des droïdes et des Jedi. Et, bah, j'en ai retrouvé. Enfin, je les ai tous. Toute ma collection est ici. Donc, bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Que ce premier étage vous plaît. N'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires. N'hésitez pas à partager ce projet qui, je pense, est quand même très, très, très important. Enfin, du moins en termes de taille, hein, pas important. Enfin, pour moi, il est important, bien évidemment. Mais voilà, n'hésitez pas à le partager avec vos amis pour que ben, ils puissent voir aussi. Il y a quelques méthodes de construction que je vais vous expliquer. Il y aura dans la semaine prochaine, sûrement, un petit tutoriel pour construire ces piliers que vous voyez, que vous avez vu ici. Voilà, on abordera le sujet du cassé.
Donc dans ce tuto, puisque ce seront des tutos qui vont être en accord avec ce qu'on est en train de construire, je vous montrerai comment j'ai construit plus en détail cette salle informatique. Donc voilà, j'espère que ces petits tutos vous plairont. En tout cas, on se retrouve vendredi prochain, 16h30, pour l'épisode 4 de notre série Building a Jedi Temple. Je vous fais en attendant de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Et ciao, ciao!